Quand on est amené à travailler avec des explosifs, la plus grande concentration et une parfaite maîtrise technique sont indispensables. Ce quotidien détonnant, c'est celui des démineurs et des dynamiteurs. Sayed Mohammad est un démineur humanitaire en Afghanistan. Sa mission, sécuriser au péril de sa vie les zones contaminées par les mines. Ron Gilbert, lui, est dynamiteur. Les explosifs n'ont pas de secret pour lui. À son palmarès, il a des dizaines de bâtiments détruits un peu partout dans le monde. Tous les deux utilisent des matières explosives qui demandent une manipulation extrêmement rigoureuse, car elles sont capables de disloquer un corps humain ou de détruire des tonnes de béton. Ron et Sayed font deux métiers particulièrement dangereux qui ont une règle en commun, pas d'erreur, car la première est souvent la dernière. Sayed Mohammad vit dans le petit village de Parman, à 2 heures de Kaboul, la capitale de l'Afghanistan. En fonction depuis plus de 30 ans, cet ancien moudjahidine est aujourd'hui l'un des plus vieux démineurs du pays. En Afghanistan, on estime qu'il reste 10 à 15 millions de mines dues au conflit soviétique, puis taliban. Sayed Mohammad est démineur volontaire et travaille 6 jours par semaine. Les champs de mines sont parfois très éloignés de la ville. Mais à 7 heures du matin, toute l'équipe doit être sur le site à déminer. Une fois sur place, il y a un rituel immuable, la prière. Ces hommes remettent leur destin à Dieu, car rien ne garantit qu'ils rentreront tous sains et saufs après cette journée de travail. La règle d'or chez les démineurs, c'est le silence. Seul le chef de section s'exprime. Il donne les ordres et annonce la mission du jour. Mes frères, tout d'abord, on va se préparer en toute sécurité. On est déjà venu faire du repérage avec une personne qui vit dans ce secteur. Les gens du coin nous ont fourni pas mal d'informations. Ils disent qu'il y a eu des accidents impliquant des mines. Alors soyez vigilants et prenez bien vos casques et vos pare-éclats avec vous. Quand on arrive sur le site, on se rassemble dans un espace sécurisé où on reçoit les ordres de notre commandant ou de notre chef de section. Ensuite, on sort notre matériel et on le vérifie consciencieusement pour être prêt à travailler. On vérifie tout notre équipement, notre détecteur et surtout notre matériel de protection. Les démineurs sont équipés d'un pare-éclat en Kevlar et d'un casque en plexiglas. En cas d'explosion accidentelle, les principaux organes vitaux seront protégés des éclats. Après ça, on nous donne l'ordre de nous rendre sur la zone à déminer et on entre dans le champ de mine. Les mines ont été placées dans des endroits stratégiques par les combattants. Mais il est impossible de savoir de quel type de mine il s'agit, car elles peuvent avoir 30 ans ou bien quelques mois à peine. La première tâche des démineurs, c'est donc de créer des zones de sécurité pour les hommes et pour poser le matériel. On utilise des marquages spécifiques pour indiquer qu'une zone est nettoyée ou non. On peint des mottes de terre, des pierres, n'importe quoi. Mais en Afghanistan, on utilise plutôt des pierres. La couleur rouge indique que c'est miné. Et la couleur blanche montre que c'est nettoyé. On pose toujours nos outils dans une zone sûre, et puis on les amène pour travailler sur les zones non nettoyées. Le détecteur sonne. Il y a du métal dans le sol. Est-ce un morceau inoffensif ou une mine? Pour en avoir le cœur net, Sayed doit creuser centimètre par centimètre autour de la zone sensible. S'il s'agit d'une mine, le risque devient mortel.
Quand on trouve une mine, on cherche d'abord à l'identifier. Puis on marque précisément son emplacement. Et on crie « mine ». On va ensuite le répéter à notre responsable. On doit toujours répéter qu'il y a une mine. Lorsque tout le monde a quitté la zone, le responsable va la neutraliser avec une charge explosive. On le fait quand la journée de travail est terminée. Le danger que représentent les explosifs, Ron Gilbert le connaît bien aussi. Il n'est pas à son premier coup d'essai. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Je fais du dynamitage depuis que je suis tout petit. En fait, j'ai servi 4 ans dans l'US Air Force. J'en suis sorti en 1985 et depuis, je fais du dynamitage. Aujourd'hui, Ron doit venir à bout d'une vieille centrale thermique, de ses deux immenses cheminées et de ses imposants bâtiments d'acier. La bâtisse domine la baie des Chaleurs, de Dalhousie, dans la province du Nouveau-Brunswick, au Canada. Elle a cessé de produire de l'électricité et doit disparaître à tout jamais du décor. L'opération constitue tout un défi au vu de l'immensité du volume à détruire. 21 000 mètres cubes de béton, 36 000 tonnes d'acier. Un chantier qui aura de quoi occuper les récupérateurs de matériaux pour un bon moment. 40 ans de présence qui vont devoir partir en fumée dans quelques heures. Si j'ai peur ? Non, j'ai pas peur. Non, parce que le Seigneur nous a donné un talent. J'espère juste qu'on l'utilise comme il faut. Combien de personnes de ton entourage ont vraiment trouvé leur voie ? Le Seigneur a dit, fais exploser la dynamite. Le monde des dynamiteurs forme un cercle très restreint. Ils sont peu nombreux et sont tous de grands experts dans leur domaine. Et pour Ron, cela a même commencé plus tôt que les autres. Quand j'avais 3 ans, mon père et ses frères m'emmenaient quand ils faisaient sauter des souches à la dynamite. Et j'aimais tellement ça que lorsqu'ils avaient le dos tourné, je prenais 3 bâtons de dynamite et je partais avec. J'allais jusqu'à l'étang, un trou boueux, je prenais la dynamite et je l'achetais contre un rocher. Et je suis encore là. Vu la complexité du travail à effectuer, l'entrepreneur général chargé des travaux de démolition a voulu faire appel aux experts des experts. Ils ont retenu la société américaine de Ron, Deacon Explosive Demolition de Tulsa, en Arizona. Un défi de taille pour Ron et son équipe qui vont devoir utiliser un explosif particulièrement puissant pour ne pas décevoir leurs clients. Donc nous avons 250 grammes de nitroglycérine dans un bâton. Cette dynamite va jouer deux rôles dans la démolition de la structure. L'une des charges va venir secouer ces colonnes d'acier, tandis que l'autre se trouve dans les cheminées de béton. Nous utilisons la nitroglycérine pour faire sauter littéralement le béton des piliers qui soutiennent les cheminées afin de les faire tomber. Ron garde un œil attentif sur tout ce qui l'entoure, hommes, matériel et explosifs. Aucun détail ne doit lui échapper. Tu fais quoi exactement ? J'ajoute un petit extra. Ah ok, c'est bien. Être dynamiteur, c'est forcément s'exposer au danger. Les accidents sont rares sur les chantiers, mais quand on manipule de telles quantités de poudre, ils sont fatals. Ouh, ça fait beaucoup de poudre, ça. Mais la question est de savoir quels dégâts cet explosif ferait s'il se déclenchait. Quelle quantité de puissance ai-je dans ma main ? Si ce bâton d'une demi-livre explosait maintenant, je serais transformé en brume sanglante. Voilà toute la puissance contenue dans ce bâton. Le travail consiste à poser les charges aux endroits stratégiques, le long des poutrelles d'acier,
à l'intérieur des deux bâtiments, ainsi qu'à la base des cheminées, dont la plus haute s'élève à 168 mètres. Les gestes sont précis. La manipulation des explosifs exige une sérieuse dose de confiance en soi, mais également un profond respect envers ces objets qui paraissent bien inoffensifs aux yeux des néophytes. Ce matériel est extrêmement puissant. Est-ce que c'est stable à manipuler? La réponse est oui. Mais il faut respecter les explosifs parce qu'un impact forcé peut les déclencher. Donc quand on est occupé sur le terrain, si on ne veut pas connaître sa dangerosité, il ne faut surtout pas le cogner. Si un incident se produit là-haut ou plus bas, ça peut aussi se déclencher ici, à côté de nous, et faire du dégât. La hantise de Ron, comme celle de tout dynamiteur expérimenté, c'est le petit oubli. Celui qui peut se transformer en gros problème. Dans ce monde à part, tout le monde surveille tout le monde. C'est la règle, immuable, essentielle, car personne n'a le droit à l'erreur. L'équipe, ils font un travail fantastique. Dangereux? C'est très dangereux. Et ça me rend très nerveux. Mais c'est une équipe tellement professionnelle. Ils sont là-bas, en train de travailler ensemble. Ils coordonnent leurs efforts. Et on fait en sorte qu'ils travaillent dans un environnement sûr et qu'ils ne détruisent pas les charges. Parce que si jamais ils commettent une erreur, on sera de l'histoire ancienne. Le Seigneur nous ramènera à lui. Et on ne veut pas de ça aujourd'hui. Sur le site de Dalhousie, le temps file. Les opérations se déroulent toutefois sans aucune précipitation. Sous la supervision du grand patron de Ron, James Reddick, alias Jim. Il a fondé sa compagnie en 1974. C'est l'un des spécialistes mondiaux les plus réputés. Ron et Jim se complètent dans leur travail autant que dans leur discours. C'est comme tout. Vous devez les traiter avec dignité et respect. Ce sont des explosifs. Jim, c'est 40 ans d'expérience. Des centaines de démolitions à l'explosif en Afrique du Sud, aux Émirats Arabes Unis, au Mexique, en Corée et dans son pays natal. Cet Américain passe pour le champion de son secteur. On lui doit entre autres la démolition du Texas Stadium ainsi que celle de nombreux hôtels et gratte-ciels. L'art de la démolition repose sur un principe fondamental. L'explosion doit se transformer en implosion. Les explosifs font vaciller la structure qui s'effondre alors sous son poids. C'est de cette manière que la vieille centrale thermique devrait à son tour disparaître du paysage. La bonne disposition des charges est l'obsession principale de Ron. C'est la partie la plus sensible du travail, tellement sensible que les experts de Daikon la tiennent secrète. C'est un savoir-faire unique, acquis au fil de nombreuses années d'expérience. Il ne faudrait pas qu'il soit révélé à la concurrence, et encore moins à d'éventuels terroristes. Yeah, let me pull it up here where you see it, Dave. Now, there you go. Yeah, there you go. Perfect. Les explosifs sont une arme redoutable qui peut sévir pendant des années. En Afghanistan, Sayed le sait mieux que quiconque. Il a vécu la guerre en tant que combattant moudjahidine. J'avais combattu contre les soviétiques et ils avaient perdu la guerre. J'étais donc disponible pour une autre carrière que la carrière militaire. J'ai choisi d'être des mineurs. C'est un travail noble et sacré parce qu'on sauve des vies. On élimine toutes ces mines qui sont autant d'ennemis pour la population. Avant de se retirer, les Soviétiques avaient posé des millions de mines. Elles ont tué de nombreux civils. Il faut comprendre qu'à cette époque, les gens avaient quitté leur maison. Ils ne vivaient plus dans leur village, ils étaient réfugiés au Pakistan. Et lorsqu'ils ont voulu rentrer chez eux, ils ont trouvé un pays entièrement miné. Chaque jour, on dénombrait de nouvelles victimes, des femmes, des enfants. Donc je me suis dit que devenir des mineurs, c'était choisir un emploi utile. Le djihad contre les soviétiques terminé, j'ai décidé d'en faire mon métier. Les démineurs afghans sont coordonnés par une agence des Nations Unies. Elle ne fonctionne que grâce aux dons de la communauté internationale. Sayed n'est donc pas un démineur militaire.
et il ne travaille pas pour le gouvernement afghan, il tient à sa liberté. La différence entre un démineur militaire et un démineur humanitaire vient de la nature même de leur mission. En Afghanistan, il n'est pas rare que les militaires reçoivent l'ordre de tuer. Nous, en tant que démineurs humanitaires, on ne doit pas tuer. Au contraire, notre travail est de sauver un maximum de personnes en déminant le pays. Les militaires peuvent avoir de nombreux objectifs, mais le nôtre est spécial. On doit trouver des mines pour sauver des vies. On le fait uniquement pour servir la population. Zayed est fier d'appartenir à la famille des démineurs humanitaires de sauver des vies. Mais ce n'est pas un métier qu'il recommanderait à ceux qu'il aime. Le déminage est un bon travail, mais les études sont plus importantes. Je ne veux pas que mes enfants soient des mineurs. C'est bien assez que je le sois moi-même. S'ils veulent vraiment le devenir, ça ne me pose pas de problème. Mais pour que je sois d'accord, ils devront d'abord faire des études. Les trois fils de Sayed sont présents ce jour-là. C'est toujours avec fierté et une pointe d'inquiétude que Shabir, l'aîné, parle du métier de son père. Quand mon père était à Kandahar, c'était au moment où c'était très dangereux d'y aller. J'avais mes propres préoccupations, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser sans cesse à mon père. Je me demandais comment il allait, si c'était dangereux et où il se trouvait. Aujourd'hui, c'est tout aussi dangereux, mais au moins, il rentre une fois par semaine. Avant, il pouvait se passer des mois sans qu'il revienne. Pour bien comprendre l'inquiétude des proches de Sayed, il faut revenir un peu dans l'histoire du pays. L'Afghanistan est en état de guerre depuis 1979, date de l'invasion des troupes soviétiques. Depuis 30 ans, les conflits se succèdent entre les talibans et les forces gouvernementales. Des millions de tonnes de bombes et de mines contaminent environ 185 millions de mètres carrés de terre. Pour la seule année 2014, on recense plus de 20 000 accidents liés à cet état de guerre. 10 000 concernent la population civile. Le travail des démineurs ne se limite donc pas à neutraliser les mines. Ils doivent également s'occuper de trouver et désamorcer les munitions non explosées. Ce sont toutes les balles, bombes et obus que l'on découvre encore sur ce qui a été des champs de bataille et qui se retrouvent aujourd'hui au cœur des habitations. Un danger pour les populations, en particulier pour les jeunes enfants. Car les morceaux de métal des explosifs intéressent fortement les Kabbalwala. Ce sont de jeunes enfants qui viennent récupérer ce métal pour les revendre aux ferrailleurs. Une activité qui peut leur être fatale. Que ce soit pour gagner un peu d'argent ou tout simplement en se promenant dans les champs, les enfants sont les premières victimes des mines et des restes de guerre. Et ils sont des milliers à avoir ainsi perdu la vie alors qu'ils ne faisaient rien d'autre que jouer. C'est pour que cela cesse que Sayed se lève chaque matin et risque sa vie. Il y avait des milliers d'endroits très dangereux avant. Toutes les villes, les campagnes, les maisons pouvaient contenir des explosifs. Toute la population en subissait les conséquences. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus nombreux à pouvoir vivre normalement. Et c'est grâce au travail de déminage que nous réalisons chaque jour. Par exemple, on a déminé un village il y a 4 ans, Urgun. Il y avait à peine 10 ou 15 personnes qui vivaient là-bas. Eh bien aujourd'hui, ce n'est plus un village, c'est devenu une ville. À Dalhousie, au Canada, les hommes finissent de fixer les explosifs aux poutrelles d'acier de la vieille centrale. Pour Ron, comme pour tous les autres dynamiteurs, chaque chantier est différent. La quantité d'explosifs, l'emplacement des charges et des détonateurs, mais aussi le périmètre de sécurité. Chaque chantier représente donc un nouveau défi. Celui du site de Dalhousie ne fait pas exception à la règle. On a besoin de juste assez de puissance pour faire bouger la cheminée et la déplacer, parce que si on n'y arrive pas, que se passera-t-il? C'est mauvais si elle reste debout. La ligne est mince entre trop et pas assez. Une ligne très mince.
C'est ce qui rend ce travail si amusant. On est toujours sur la corde raide. La malchance est aussi un paramètre qui est pris en compte. Ron porte une attention particulière à la loi de Murphy, c'est-à-dire à une réaction en chaîne de cette malchance. Et Ron en parle comme d'un véritable danger qu'il faut prendre très au sérieux. Regarde ça. Ça a l'air scientifique, non? Il y a beaucoup d'art et de science dans ce travail. Il faut concilier les deux. On les marie ensemble. Murphy est toujours au centre de l'art et de la science. Les meilleurs scientifiques, les meilleurs artistes doivent toujours composer avec Murphy. Il est toujours dans votre dos à attendre que vous fassiez une erreur. Toujours. On ne veut pas que des fragments provenant de ces colonnes-ci viennent interférer avec d'autres. C'est la raison pour laquelle l'équipe de John les a enveloppés dans des coffrages et a placé tout ça pour aider à les protéger. Donc, on veut s'assurer de tenir Murphy à distance quand on sera rendu à cette étape. Les hommes sont concentrés. L'échec ou la réussite de l'opération dépendent en grande partie du travail qu'ils sont en train d'accomplir. C'est avec minutie, dans un silence de cathédrale, que la tâche s'effectue à l'intérieur de l'une des deux cheminées. Chaque bâton est poussé dans son alcôve, bien à sa place. Ils sont reliés entre eux par un cordon détonnant. Le cordon détonnant est une mèche explosive qui sert à propager le signal d'une charge à l'autre. La vitesse de détonation est tellement rapide que les charges vont exploser presque simultanément, même si elles sont situées à bonne distance les unes des autres. Les explosions doivent se déclencher de manière successive, mais à la vitesse de l'éclair. Une fois que cette section de la colonne aura explosé, il faut qu'aucun fragment provenant de cette colonne ne vienne interférer avec les charges qui se trouvent sur la structure là-bas. Donc, quand une grenade se déclenche, l'autre grenade doit être programmée pour que tous les éléments puissent exploser en même temps. Si une grenade explose, ça va fragmenter la seconde. Je dis grenade parce que chacune de ces boîtes est une grenade à fragmentation. Une grenade à fragmentation d'enfer. La vieille centrale est maintenant devenue une véritable poudrière. La tension est grande. Pour Ron, le moment est venu de procéder aux dernières vérifications. Je vais monter là-haut et on va vérifier chacune des charges pour s'assurer qu'ils n'ont rien abîmé ou fait tomber quand ils sont allés installer ces boîtes. Parce que s'ils ont désajusté quoi que ce soit là-haut, que se passera-t-il? C'est pas bon du tout. Non, non, non. Très dangereux. On y va pour s'assurer que rien n'a été détruit et on a assez de temps pour le faire. Votre carrosse vous attend, mon bon monsieur. Attends. Ok, je vais commencer. Ok, voyons ce qu'on a ici. Ah, la charge creuse est desserrée. Allons voir à quel point elle l'est. Ah, vous voyez, pas bon ça. On va y remédier. Tout est paré. Ron reçoit un coup de fil de son épouse restée aux États-Unis. Il retrouve le sourire. Tu passes une belle matinée? Merci d'avoir appelé pour vérifier qu'on est en sécurité. Ok, ouais, je t'aime aussi. Au revoir. C'est ma patronne. Elle appelle toujours pour prendre de nos nouvelles et s'assurer que je suis sain et sauf. Travailler avec des explosifs comporte des risques mortels, que ce soit dans un bâtiment ou dans un champ de mine. C'est vrai que c'est un métier dangereux. Et vous voulez savoir pourquoi c'est dangereux? Quand j'ai débuté ma carrière de démineur, il y a presque 30 ans, je perdais un collègue chaque semaine. Un par semaine, tué par des mines. C'est pour faire baisser ces chiffres qu'il est indispensable de rester toujours sur ses gardes. Vers 13h30, toutes les équipes reviennent au camp de base. Sayed devra, comme ses collègues, se plier à des sessions de formation théorique et pratique. Les résultats sont très satisfaisants. Le nombre d'accidents a considérablement baissé. C'est en partie grâce à cet homme,
Sedi Rachid. C'est le grand patron de tous les démineurs d'Afghanistan. En visite d'inspection, cet ancien démineur aime voir et constater que la vie de ces hommes s'améliore au fil du temps. Si on compare avec le passé, ces gars-là ont de la chance. Ils ont des tentes. Nous n'en avions pas. Notre organisation ne pouvait pas nous fournir de bonnes conditions d'hébergement. C'était souvent très difficile de se loger. Quand nous allions dans certains districts, il arrivait qu'il n'y ait aucun bâtiment. Et s'il y en avait, c'était des bâtiments abandonnés, dans un très mauvais état. Tellement mauvais que nous devions tout nettoyer, dégager une chambre et faire quelques réparations rapides. Nous ne disposions pas d'un gros budget. Mais la vie n'était pas si mauvaise. Je ne me plains pas, mais ce n'était pas aussi confortable. La session de formation a déjà commencé. Sherzad, un chef d'équipe, répète encore et encore les mêmes informations aux anciens comme aux nouveaux venus. Et voilà, c'est parfaitement assemblé et fonctionnel. Vous voyez, on l'a assemblé en quelques secondes seulement. Le détecteur doit toujours être bien fonctionnel pour notre sécurité. Bon, maintenant, pour l'utiliser, on le déplace pendant 3 secondes, comme ceci. On fait un mouvement lent, devant nous, sur une distance d'un mètre à 1,20 m. Puis on revient sur la même bande qu'on vient de faire. Sur 1 mètre, 1,20 m. Voilà, on repasse. N'oubliez jamais, il faut toujours vérifier 2 fois au minimum. Les leçons théoriques sont suivies par quelques exercices pratiques, surtout pour les novices. Mais Sayed est présent lors de chaque session d'entraînement. C'est le vétéran de l'équipe et comme les autres, il reste attentif. Entre l'activité de déminage, la formation et l'information, une journée de travail peut durer jusqu'à 12 heures. Sayed ne rechigne pas à la tâche, malgré les 440 dollars qu'il gagne chaque mois. Les démineurs ont un salaire plutôt faible. C'est insuffisant pour le travail qu'on nous demande. Les prix des produits augmentent, l'inflation augmente. Le salaire qui est donné pour les démineurs n'est vraiment pas suffisant. En Afghanistan comme au Canada, travailler avec des explosifs nécessite une formation particulièrement exigeante. Au Québec, c'est dans une carrière, au nord du 49e parallèle, qu'on forme les futurs dynamiteurs. Mais l'atmosphère est lourde ce jour-là. La veille, un dynamiteur a été tué. Johan, le formateur, connaissait bien la victime. Le monde du dynamitage est devenu un peu comme en deuil. Il est survenu une explosion là, en Colombie-Britannique. Un travailleur du Québec, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui est arrivé, mais il y a eu une détonation, puis la personne est décédée. C'est assez difficile aussi d'en parler. Tout ça, c'est des gens qui sont proches de nous, les dynamiteurs, un peu comme une grande famille. On se connaît tous un peu. Quand survient des choses comme ça, ça nous fait réfléchir beaucoup à ce qu'on fait. Ça nous fait prendre conscience aussi qu'on doit absolument être sécuritaire. Pour Johan, comme pour tous les autres formateurs du programme Forage et Dynamitage, la sécurité est un véritable code de vie, presque une obsession qui doit toujours demeurer. Quelqu'un qui a plus peur, qui traîne dans le milieu des explosifs, puis qui a plus peur de dynamiter, c'est peut-être pas fait pour lui. Malgré toutes les précautions, le pire peut toujours survenir. Et paradoxalement, dans ce milieu où le bruit des explosions est assourdissant, la loi du silence est une règle primordiale. Il y a un genre d'omerta quand il arrive des accidents de dynamitage. Souvent, les gens ne veulent pas témoigner de leurs accidents de dynamitage, des expériences assez traumatisantes. Puis c'est rare que la personne s'en sort vivante aussi. Les dynamiteurs le reconnaissent. Quand vient le temps d'appuyer sur le bouton déclencheur, une puissante poussée d'adrénaline les saisit. Tout le monde est en sécurité? Oui. Quand tu tiens l'exploseur dans tes mains, je n'en parlais puis j'ai les frissons. C'est un moment inégalable. Là, je veux dire, c'est un peu la même sensation quand on saute en parachute. Là.
Tous, sans exception, connaîtront à leur tour ces émotions intenses. Mais auparavant, ils devront démontrer qu'ils maîtrisent leur art dans des conditions difficiles. Dans le nord québécois, les journées de travail peuvent durer près de 16 heures. Les conditions climatiques, des fois, c'est rigoureux. Dans la neige, on est à moins 74. Puis des fois, on se pose beaucoup de questions. Pourquoi que je fais ça? Pourquoi j'endure ça? Mais quand tu as l'exploseur dans les mains puis tu fais détonner tes charges, bien, c'est comme le 500 millisecondes. C'est ton petit moment de gloire. Ça va prendre la bourre encore aussi, Guillaume. Bon, on va sortir la baguette. On met de la bourre là-dessus. Les plus grands dangers qui les guettent sont l'excès de confiance et le relâchement. Ils sont souvent fatals. On peut pas transporter de détonateurs puis d'explosifs en même temps. Fait qu'on va commencer par les explosifs, ensuite on s'occupera des détonateurs. Nous autres, à l'école, c'est sûr qu'on met beaucoup l'emphase sur la sécurité. Mais assez rapidement, on se rend compte que quand on s'en va sur les chantiers, malheureusement, à cause de la production, puis on a tendance un petit peu à désapprendre. C'est à cause de ça qu'il y a des accidents. Il y a toujours un risque, t'sais. Toujours un risque. On fait ça pour gagner notre pain, on fait pas ça pour risquer notre vie. 3, 2, 1, on se cache après ça. Mise à feu! Aujourd'hui, en Afghanistan, les mines font en moyenne une nouvelle victime par jour. Le centre de la Croix-Rouge de Kaboul est le seul lieu qui permet aux adultes comme aux enfants d'espérer remarcher et reprendre une vie à peu près normale. Les civils et les militaires ne sont pas les seules victimes des restes de guerre. Les démineurs paient aussi le prix fort. C'est le cas d'Omar. Il est resté un an dans ce centre de rééducation orthopédique. Quelles que soient les histoires qu'on vous racontera sur les accidents dus aux mines, les larmes couleront de vos yeux. Les histoires d'accidents liés aux mines sont innombrables. Vous pourriez faire des centaines et des centaines de documentaires ou de films, vous ne pourriez toutes les raconter. Les incidents sont trop, vraiment trop nombreux. Il est clair qu'il est impossible d'oublier le jour où il se produit un accident, surtout en ce qui me concerne. Car quand ce jour-là est arrivé, j'ai perdu ma jambe. Les démineurs sont comme une grande famille. On travaille dans des zones à risque, ensemble. Les liens d'amitié sont très forts. Avec un collègue, nous étions dans un champ de mine. Le chemin sécurisé était plutôt étroit. Nous avions nettoyé une allée d'environ 2 mètres de large. J'ai plaisanté avec ce collègue en disant que si on ne faisait pas bien attention, on risquait d'avoir un problème. Il m'a dit qu'une cinquantaine de mètres de ce chemin n'était pas déminé. J'ai refusé d'aller plus loin et je lui ai dit qu'on allait faire demi-tour pour éviter tout risque d'accident. Nous étions donc sur le chemin et j'ai entendu un son. Le son d'une explosion. Je ne comprenais pas d'où ça venait. À cette époque, c'était possible que des militaires aient tiré une roquette. Nous étions sur une zone sécurisée quand j'ai entendu ce son. Et je n'arrivais pas à l'identifier. Juste que ça pouvait être une roquette ou quelque chose comme ça. Mais quand mon ami m'a appelé, j'ai compris ce qui s'était passé. Je me suis réveillé. J'ai vu mon ami sur le sol. Tout était silencieux. J'ai vu du sang couler sur le visage de mon ami. Il s'appelait Kudino. Quand j'ai vu le sang sur son visage, je n'ai pas pensé à ce qui avait pu m'arriver. Et quand j'ai enfin pu ouvrir mes yeux parfaitement, je lui ai demandé s'il saignait. Et il a juste dit « non ». Ça voulait dire que c'était à moi que l'accident était arrivé. Nous avons beaucoup de problèmes en Afghanistan car le nombre d'hôpitaux n'est pas suffisant.
Nous avions une voiture, mais pas d'ambulance. Lorsque mon accident est arrivé, il a fallu me donner les premiers soins, mettre un garrot sur ma jambe. Nous sommes allés dans la capitale de la province de Khost, à 30 minutes de là, où il y avait un petit dispensaire. Ils ont juste mis un garrot sur ma jambe. Omar a dû attendre 12 heures avant d'être opéré. Il a eu une chance inouïe de survivre jusqu'à son arrivée à l'hôpital. Aujourd'hui, il est responsable d'une organisation qui s'occupe des démineurs, qui, comme lui, ont été blessés pendant qu'ils faisaient leur devoir. 99% des personnes handicapées en Afghanistan sont des victimes de mines. À cause de tout ça, ils ont perdu leur emploi et il est difficile pour eux d'en retrouver. Ils sont confrontés à des problèmes financiers, mais aussi à des problèmes de transport, d'accessibilité. Il est primordial que nous fassions quelque chose pour eux. Un vaste programme social serait nécessaire pour les aider à s'installer et pour créer des cours de formation professionnelle. Un prêt pourrait leur être accordé pour créer une micro-entreprise, jusqu'à ce qu'ils soient en mesure d'être autonomes et de trouver enfin leur place dans la société. Entre 2012 et 2014, 222 des mineurs ont été touchés par l'explosion d'une mine. 75 d'entre eux en sont morts. Il n'est pas question que qui que ce soit se tue ou se blesse aujourd'hui sur le site de Dalhousie, au Canada. Les lieux ont été sécurisés, les dernières consignes sont livrées au personnel. Pour l'occasion, tout un public a été invité à participer à ce spectacle exceptionnel. Politiciens, hauts fonctionnaires et invités de marque sont installés aux premières loges. Les invités d'honneur sont deux enfants de la région de Dalhousie. C'est eux qui déclencheront les explosions. Ils ont gagné ce privilège dans une loterie régionale de charité. Les fonds récoltés par ce tirage financeront les loisirs d'enfants défavorisés. Ron leur explique ce qu'ils devront faire. Les enfants sont fous de joie. Here we go. Ok, alors appuie dessus et garde bien le doigt enfoncé. 5, 4, 3, 2, 1. Il y aura deux explosions. La première devra détruire les deux bâtiments en acier ainsi que la plus haute des cheminées. La seconde, deux heures plus tard, emportera la cheminée restante. Le moment fatidique approche. Pour conjurer le sort, Ron, Dave et les autres forment un cercle pour une dernière prière avant le grand moment tant attendu. Amen. Amen. Bon travail, tout le monde. Je compte sur vous. Tout devrait bien se passer, à moins évidemment que la loi de Murphy ne vienne changer le programme. Ron, préoccupé, ne peut s'empêcher d'en parler. Regardez, regardez, on parle de Murphy qui est toujours sur notre dos, vous savez. On ne sait jamais quand il va se pointer et nous avoir. Et il peut nous avoir aussi ici, vous savez. On n'est pas immunisé, personne n'est à l'abri de ça. On s'y met, mon gars. C'est bon pour vous? Ça va aller? Seconds countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Ce que tout dynamiteur craint le plus vient de se produire. Contre toute attente, l'un des bâtiments est toujours debout et la cheminée principale se dresse, arrogante et immobile. Ron et Dave se précipitent sur les lieux. La foule attend la suite et se demande ce qui se passe. Elle devait tomber. Mais on s'y croit. On a dû calmer le jeu. Les gens veulent des réponses de notre part. Des réponses immédiates qu'on ne peut pas leur donner. On doit aller là-bas et évaluer la situation. La seule façon d'évaluer la situation est de se rendre directement sur le terrain. On doit y aller et bien jauger parce qu'il nous faut revenir avec un plan d'action positif et non pas un plan de réaction. En ce moment, je suis en plein cœur de la tempête. Et on en est à évaluer la situation. On prie.
Bon, je ne sais pas ce que la plupart des gens feraient dans ce genre de contexte, mais moi je prie. Très fort. On pourrait en débattre à l'infini. On a une petite idée de la raison pour laquelle la cheminée n'est pas tombée. C'est une cheminée assez particulière. J'ai démoli 400 ou 500 de cheminées et celle-ci est la plus étrange sur le plan de la construction. On peut en discuter et étudier la situation pendant encore longtemps. C'est la vie. Pour le meilleur et pour le pire. Ouais, c'est la vie. 24 heures danger, hein. Maintenant, il faut y retourner et tout réparer. L'effet domino est particulièrement redouté lorsqu'on travaille avec des explosifs. Si c'est vrai pour la destruction de bâtiments qui tournent mal, ça l'est aussi pour le déminage. En effet, en Afghanistan, les démineurs doivent aussi craindre les talibans qui les considèrent comme des traîtres. J'aimerais raconter un incident qui est arrivé le 10 juin de l'année dernière. Des talibans nous avaient tendu une embuscade au sommet des montagnes. Ils avaient replacé les mines dans la région et ces mines étaient télécommandées à distance. Lorsqu'on est descendu des voitures et qu'on a commencé à préparer notre matériel, ils ont fait exploser les mines. Puis, ils ont commencé à tirer sur nous. Ils ont tiré des roquettes, ils nous ont mitraillés. Ils étaient lourdement armés. Chacun de nous a commencé à s'enfuir là où il pouvait. Il y avait une dizaine de gardes armés avec nous. Mais ils n'ont pas trouvé un bon endroit pour nous défendre. Nous étions pris sous les tirs de tous les côtés. Et puis une brèche a été ouverte et nous avons pu nous enfuir par là. 3 personnes étaient blessées. 8 personnes se sont battues pendant plus d'une demi-heure. Quand la police est arrivée, 1 heure et demie plus tard, le calme était revenu. Les assaillants s'étaient échappés et 8 de nos collègues avaient été tués. Sayed et ses collègues continueront leur tâche, quels que soient les risques encourus. C'est une mission qu'ils se sont donnée et chaque mine neutralisée, chaque bombe désamorcée leur donne la satisfaction d'avoir sauvé des vies. Pour Sayed, l'ancien Moudjahidine, c'est aussi un moyen de faire le bien et de se sentir fier de ce qu'il est. Avant, j'avais toujours une arme pour détruire et tuer. Une arme à feu, ça peut tuer un ami comme un ennemi. Aujourd'hui, je suis fier et heureux d'être un démineur humanitaire. Par exemple, on a déminé le terrain de l'université de Kaboul. Les gens peuvent aujourd'hui s'y promener sans risque et poursuivre des études. Notre prophète a dit ceci. Si vous sauvez la vie d'un être humain, c'est comme si vous sauviez la vie de toute l'humanité. Nous sommes tout seuls devant une mine à neutraliser. C'est un travail en solitaire. Mais on ne le fait pas pour nous. On le fait pour toute la population d'Afghanistan. Sur le site de Dalhousie, 3 semaines se sont écoulées depuis l'explosion qui n'a détruit qu'en partie les installations de la vieille centrale thermique. Comment ça se passe ? Ça va, ça se passe bien. Il y a du mouvement ? Non, aucun mouvement. Aucun mouvement, hein. Il a fallu que les équipes retournent sur le site afin d'installer de nouvelles charges et enlever les débris qui jonchaient le sol autour et dans le bâtiment. Une opération délicate qui a donné des sueurs froides aux responsables. Vu l'état dans lequel était la structure, c'était très dangereux de pénétrer à l'intérieur. Et je me sentais mal pour ceux qui devaient y aller. Mais il fallait bien faire avec, vu le contexte. Enlever des morceaux de débris dans ces conditions, c'est comme un jeu de construction. Vous en retirez un, vous allez peut-être vous en sortir. Vous en enlevez un autre. La vieille structure d'acier porte les marques des explosions, mais elle a résisté. Plutôt que de basculer, le bâtiment s'est appuyé contre les murs de fondation
qui ont stoppé sa chute. On a donc coupé au chalumeau certaines poutres pour affaiblir l'ensemble avec une précision chirurgicale. Quant à la cheminée, elle s'est affaissée sur elle-même de quelques mètres. Mais elle est demeurée fermement en place. Plus de 600 bâtons de dynamite constellent sa base. Il devrait cette fois-ci en venir à bout. Elle s'est bel et bien affaissée sur elle-même d'environ 3 mètres. Le béton a été pulvérisé sur 3 mètres, puis elle a été déviée, d'à peu près 1,46 degré de son axe. Elle repose toujours sur sa fondation actuelle, déviée d'un degré seulement. Elle ne bouge pas, mais elle va se déplacer. Elle va bouger demain. Demain, elle n'aura pas d'autre choix que de bouger. C'est vrai. Ron n'a pas fermé l'œil de la nuit. Dans quelques minutes, la seconde tentative pour détruire définitivement les vestiges de la centrale de Dalhousie va enfin avoir lieu. Ron et Jim espèrent de tout cœur que cela sera un succès. Les enfants sont de retour, très heureux de vivre pour la seconde fois une expérience explosive. Ils ne semblent pas ressentir la nervosité des dynamiteurs. Ça va bien se passer. Vous avez peur de rien ? Non, je suis juste un peu inquiet. On a une montée d'adrénaline en ce moment parce qu'on sait ce qui est en jeu. Mais ça va bien se passer. Les minutes sont longues, c'est tout. 5, 4, 3, 2, 1. What do you say, boys and girls? Yes, come on! Ok, ok, Claire, Grant, venez voir ça. C'est parti. Here she goes. Here she goes. Here she goes. Here she goes. Watch it, watch it, watch it. Woo! All right, watch it, watch it. All right. Super. Come here, guys. Dans mes bras. Come here, all right. Oh, 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 give me a hug. Cette fois, tout s'est déroulé à la perfection. L'immense cheminée se couche, fauché par les centaines de bâtons de dynamite plantés à sa base. Vaincu également le bâtiment des chaudières, qui n'est plus qu'un amas de métal et de gravats. Et comme prévu, une autre explosion fait tomber la seconde cheminée. Les images de drone que vous nous avez envoyées témoignent de ce qui est arrivé. C'était amusant de se rendre là-bas, de constater que notre plan a fonctionné et que tout s'est bien passé. On est content que tout se soit déroulé comme on le souhaitait. Je me suis assis là intentionnellement pour pouvoir constater que la démolition a bel et bien fonctionné. C'est un grand soulagement. Énorme. Merci, Seigneur. Dans le monde des dynamiteurs, chaque chantier est différent. Mais tous ont en commun un niveau de risque élevé. Il faut constamment être sur ses gardes et savoir tirer parti des expériences passées pour parfaire ce que l'on croit savoir et pour qu'à chaque nouveau projet, les dynamiteurs soient en mesure d'éviter le pire. On a appris un tas de choses techniques par rapport à ce projet. Est-ce que les yeux du monde étaient rivés sur nous? Oui. Avons-nous été jugés pour la façon dont ça s'est passé et le fait que ça n'ait pas fonctionné? Oui. Avons-nous eu beaucoup de questions de la part d'autres compagnies d'électricité sur ce qui s'est passé? Oui. Sur chacun des projets sur lesquels on travaille, on apprend, on devient plus fort, on tisse des liens plus étroits entre nous. Les membres de l'équipe deviennent plus proches après ces événements. Ce qu'on a appris bénéficie ensuite à l'industrie. Manipuler des explosifs fait partie du quotidien des démineurs d'Afghanistan et des dynamiteurs d'Amérique du Nord. Ceux qui ont choisi cette voie savent qu'elle peut conduire à tout moment à un drame. C'est pourtant cette voie qu'ont choisi, en toute connaissance de cause, Ron et Sayed. C'est l'un par conviction et l'autre par vocation que tous deux acceptent les risques d'explosion.